création de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Il est digne de recevoir notre adoration et toute notre louange. Mesdames et messieurs, ouvrons nos cœurs et faisons monter vers Dieu des chants de louange, la louange au cœur de l'adoration. Alléluia. Toute mon âme louera le Seigneur. Toute ma vie, je louerai mon Dieu, chantant des chants tant que je vivrai. Le premier-né de toute la création. Alléluia. Toute mon âme louera le Seigneur. Je l'adorerai toute ma vie. Il est digne d'être loué. Je le louerai pour son amour, sa bienveillance et sa fidélité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est de toute bénédiction. Toute louange. Chantons un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Thank you.
la voie, préparez la voie du Seigneur. Préparez la voie du Seigneur. Préparez la voie du Seigneur.
écoutons attentivement ces deux enfants. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent le sentier des mers. Et notre Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il me permettra point de ton point chancel. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel le gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Je crois que nous connaissons tous ce psaume. Amen. Merci beaucoup. Pasteur Gély. Bon, très bien. Nous ne nous ressemblons pas du tout à Pasteur Gély. C'est Marc-André. Voilà, je voudrais vraiment vous dire ce soir combien nous sommes heureux de votre présence ici. Nous allons commencer notre mois de juillet, notre mois d'évangélisation par la musique. Et je voudrais, et je pense que vous aussi avec moi, qu'à travers ce mois, que nous ressentions la présence de Dieu parmi nous. Que nous soyons vraiment des adorateurs de ceux qui viendront non seulement louer Dieu, mais également emmener nos amis à entendre parler de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Jésus revient bientôt. Les choses deviennent difficiles. Nous avons besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Que chacun de nous, nous fassions des plans pour être ici le vendredi soir, le samedi matin, le sabbat après-midi, parce que nous aurons un forum, le dimanche soir et le mercredi soir, pendant tout le mois de juillet. Et nous allons terminer par une cérémonie de baptême le sabbat 3 août, si Dieu veut. Donc, préparons-nous pour cela. Et je voudrais vous dire à nouveau, bienvenue dans la maison de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Thank you.
nous allons garder notre position et chanter avant la prière. Nous venons t'adorer, Seigneur. C'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Nous venons t'adorer, Seigneur. Père céleste, notre Dieu. Le titre de ce soir, de cette semaine, la louange au cœur de l'adoration. Ce soir, tu nous appelles à t'adorer, à te louer. Mais tendre Père, que serait notre louange si nous ne nous abandonnons pas à tes pieds? C'est pourquoi ce soir, tendre Père, lave-nous dans le sang de Jésus-Christ, afin, mon Père, que notre adoration te soit agréable, afin que nous puissions recevoir de toi les plus riches bénédictions. Ô Père, ton peuple est devant toi ce soir, car nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin, mon Père, que tu nous transformes, que tu nous façonnes à salut. Et c'est pourquoi, tendre Père, reçois notre adoration. Et nous voudrions placer ce mois-ci entre tes mains, que tu puisses toi-même nous consacrer, afin que ce mois, mon Père, où nous allons parler de l'adoration, que ton nom soit exalté, que ton peuple, mon Père, tourne les yeux vers Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. Que, mon Père, nous nous abandonnions entre tes mains, et tendre Père, que nous déposions à tes pieds nos fardeaux et que tu puisses nous alléger. Parce que, tendre Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Fais-nous du bien, que ce programme, mon Père, soit sous l'égide de ton esprit et que chacun de nous, tendre Père, nous ressentions ta présence en nous. Fais-nous du bien, nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Asseyons-nous. Préparez la voie du Seigneur. La mission de Jean-Baptiste, le plus grand prophète de la Bible, était de préparer la voie du Seigneur. Il n'a eu de cesse de dire à ses contemporains, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui,
Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais qui est celui qui est venu après Jean-Baptiste? Vous me direz bien sûr, Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? La réponse, lors de son baptême, Dieu a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus était sur terre. Il est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité, ô Seigneur. Je te loue parce que tu es ressuscité. Je te loue. Alléluia. Mon Sauveur règne dans les cieux. Thank you.
est l'agneau. Est-il digne? Amen. Est-il digne? Amen. Mes amis, depuis que je suis petit, j'ai appris que Jésus-Christ est digne d'être loué. Amen. Mais pour ceux qui ne savent pas pourquoi il est digne d'être loué, parce qu'il ne suffit pas de le dire, mais il faut comprendre pourquoi Jésus-Christ est digne d'être loué et digne de notre adoration. Vous voulez savoir pourquoi? Je vous dirai cela. Accrochez-vous, accrochez-vous. Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier-né d'entre les morts. Il détient la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Il réconcilie l'homme avec Dieu. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Il a été tenté en toutes choses. Il a vécu sans péché. Il a donné sa vie afin que moi, je puisse vivre éternellement. Il guérit, il sauve. Il est l'agneau immolé. Il est amour, un ami fidèle. Et par-dessus tout, il revient bientôt. Amen. Vous comprenez pourquoi maintenant, lorsque je dis Jésus-Christ est digne d'être loué, est-ce que vous comprenez pourquoi? Il est tout cela. Et c'est ce que nous allons chanter. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau.
honneur. Louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau. Et au sens de l'expression de leur adoration, ils mentionnent non seulement l'honneur, ils mentionnent la gloire, ils parlent de la puissance, mais ils parlent aussi de la louange. Ils disent que ceux qui sont dignes d'être adorés ont droit de recevoir de la louange. Louange qui s'exprime sur leur langue par une éloge qu'ils font à ces deux êtres qui sont sur le trône, leur qualité, mais surtout ce qu'ils ont fait. Et quand ils parlent de l'agneau, parlant de l'adoration auquel il a droit, ils le louent en le félicitant, en lui adressant des paroles qui ont pour but de l'élever et d'attirer l'attention de l'ensemble des autres êtres vers ce personnage qu'il est, et surtout pour ce qu'il a fait. Et au centre donc, de cette adoration, on trouve la louange. Louange qui voudrait que ça soit celui qui a droit à l'adoration qui la reçoive et non ceux qui adorent. Et toutes leurs paroles, tous leurs termes montrent bien qu'ils élèvent par leur louange celui qui est digne d'adoration. La louange se trouve donc au centre de l'adoration parce qu'elle dit qui est digne d'être adoré et surtout ce qu'il a fait. Albert Schweitzer a une très belle phrase concernant l'expression de la gratitude, puisque la louange, c'est une gratitude envers celui qui est digne d'être adoré. Il dit, l'expression de la gratitude a trois stations. L'amour dans le cœur, la louange sur la langue, et la récompense par l'action. Je trouve cela très beau. Effectivement, c'est l'amour qu'il y a dans le cœur des créatures, qui va s'exprimer sur la langue par de la louange, et qui ensuite va passer à l'action pour récompenser celui qui leur a fait tant de bien. C'est pourquoi la louange doit se trouver au cœur de notre adoration et surtout elle doit diriger le cœur des adorateurs vers celui qui est digne d'être adoré et non vers ce qui adore. Puissions-nous, au centre de notre adoration, avoir toujours de la louange pour celui, notre Créateur, celui qui nous a fait du bien et qui continue à nous en faire. Je veux élever ma voix, je veux chanter. Digne est l'agneau. À mon Dieu.
puissant, je l'adore, se prosterne pour chanter. Mon Dieu, mon Sauveur, nous t'adorons et prions. Recevoir toute notre louange. Il y a un ordre qui nous a été donné dans la Bible, dans le psaume 33, le verset 1 à 3. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sciée aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Et c'est ce que nous allons faire ensemble maintenant. Et j'ai bien dit, ensemble, nous allons chanter 2 chants que vous connaissez tous. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Et le prochain, vous le connaissez aussi. Mais je veux que chaque personne puisse chanter et penser que nous sommes en train de louer et d'adorer notre Seigneur. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ensemble. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et je veux restaurer mon amitié. Et restaurer notre amitié.
es mon désir. Tu es mon désir. Et je ne veux que toi. Nous sommes rassurés dans les bras de Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Il me ramène à toi. Nous voulons dire à Jésus-Christ qu'il mérite toute la gloire. Il n'y a que Dieu dans l'univers qui mérite toute la gloire. Et nous allons le chanter avec force, que ça sorte du plus profond de notre cœur. Ensemble, tu mérites gloire. Son grand,
tu es grand. Tous tes miracles sont grands. Non, personne ne plaît comme toi. Car personne n'est comme toi. Nous allons le dire encore une fois. Et dire au Seigneur qu'il mérite toute la gloire. Depuis 18 heures, c'est le sabbat. Et nous allons lui dire, Seigneur, tu mérites gloire et tout honneur. Et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Tu mérites gloire. Il y a un homme dans la Bible qui a passé sa vie à louer le Seigneur, David. Il déclare, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Nous allons inviter maintenant pasteur Lambert, à venir. Nous allons le présenter. Bienvenue, pasteur Lambert. Nous souhaitons et nous aurons pasteur Lambert ce soir, demain matin, demain après-midi, dimanche soir et mercredi soir. Pas mercredi, hélas, bon. Mais mes chers amis, faisons des plans pour être là. Pasteur Lambert est le responsable à l'Union des Antilles et Guyane françaises de la famille, n'est-ce pas? Et il va nous donner quelques mots de la part du Seigneur, juste après notre chantème du mois de juillet. À tout à l'heure.
Bye.
nous allons prier, Éternel, notre Dieu, nous sommes venus ce soir pour t'adorer. Nous sommes venus t'offrir nos actions de grâce et nos louanges. Reçois, Seigneur, ce parfum qui monte jusqu'à ton trône. Et par ta grâce et par ton amour, déverse sur ton Église, déverse sur ton peuple, déverse sur tes enfants les bénédictions spéciales que tu as préparées pour eux. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Il faut 430 années pour que les enfants d'Israël fassent l'expérience de la libération. 430 ans n'ont pas suffi cependant pour effacer de leur mémoire la signature d'un Dieu qui est tout-puissant, d'un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit. Et malgré tout ce qu'ils auront vécu, chers amis, ce jour-là, après avoir traversé la mer Rouge, le peuple, avec Moïse et Marie, se lance dans une adoration spontanée au sortir de la mer Rouge. Ce soir, je voudrais vous inviter avec moi au milieu du désert à adorer notre Seigneur et notre Dieu. Je voudrais ce soir vous inviter, chers amis, à espérer que notre Dieu transformera une fois de plus ce lieu, cette terre aride, ces cœurs endoloris et apeurés, en un point de contact, en un espace de louange et d'adoration. Moïse, celui que l'Éternel a placé pour pouvoir guider son peuple, se retrouve dans une situation tout à fait particulière. En effet, voici que l'heure a sonné pour que le peuple s'en aille de ce territoire pour partir vers ce qu'on appelle le pays où coule le lait et le miel. Mais alors qu'il s'apprête à partir, il y a encore dans le peuple, il y a encore dans le groupe des inquiétudes, il y a encore des interrogations. Pourquoi faut-il que nous laissions le territoire de l'Égypte? Ce jour-là, ils sont prêts à partir plus d'un million de personnes, 600 000 hommes de pied, sans les femmes et sans les enfants. Et avec eux partiront une multitude de gens de toute espèce qui montèrent avec eux. Et puis, alors qu'ils s'apprêtent à partir, alors qu'ils s'apprêtent peut-être à prendre, pense-t-il, le chemin le plus court, le chemin des Philistins, l'Éternel décide de faire en sorte que ce peuple se détourne quelque peu dans le territoire qu'il s'appelle, qu'il campe de Pi-Hahiro, entre Migdol et la mer. Et voici là qu'ils vont camper pour la première nuit hors du territoire de Gozen. Au petit matin, quand ils se lèvent et qu'ils s'apprêtent à partir vers le territoire de la Canaan terrestre, l'Éternel va réveiller le cœur du roi Pharaon. Et celui-ci, avec son armée, 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, rassemblés avec tous les combattants qu'ils pouvaient trouver, partent à la poursuite des enfants d'Israël. Et puis, en quelque part, quelqu'un regarde en arrière, lève les yeux et voit ce nuage de fumée, de poussière que provoque l'avancée des chars égyptiens. Et alors, au fond de ce groupe, au fond de ce peuple, va monter une clameur. « Pourquoi nous as-tu fait partir ? » crièrent-ils. « N'y avait-il pas, disaient-ils, des sépulcres en Égypte sans qu'il ait fût nécessaire, besoin pour nous de venir mourir au désert ? » « Quand nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? » « N'est-ce pas, disaient-ils, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? » Laisse-nous tranquilles servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert.
Alors ce jour-là, chers amis, l'Éternel va faire lui-même taire le peuple en disant par la bouche de Moïse, son serviteur, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que va vous accorder l'Éternel en ce jour-là. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Et puis, chers amis, l'Éternel va prendre une grande respiration et il souffle sur cette mer qu'on appelle la mer Rouge. Elle va s'ouvrir et laissera passer à pied sec les enfants d'Israël. Ils traversent pendant toute la journée, ils traversent l'un après l'autre, ils traversent. Et puis quand le peuple a fini de traverser, la nuée qui était celle qui leur montrait le chemin va se déplacer tout naturellement et se placera derrière les enfants d'Israël. Et va créer un obstacle entre le peuple des enfants d'Israël et l'armée égyptienne. Cette nuée va venir faire obstacle. Et en ce jour-là, chers amis, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Ce soir, alors que vous commencez un mois autour du thème de l'adoration au cœur de votre vie, nous aimerions que nous comprenions, frères et sœurs, chers amis, que la louange est aussi au cœur même de l'adoration. Parvenu de l'autre bord de la mer Rouge, alors que le peuple est rassemblé et il ne peut même pas comprendre ce qui lui arrive, un homme élève la voix. Il ouvre la bouche et il élève la voix. Et dans son livre de l'Exode au chapitre 15, vous allez trouver lecture de ce premier poème qui a été composé à la gloire de Dieu. Poème de louange à notre Seigneur et à notre Dieu. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, car il m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel, Yahweh Elohim, est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi par la grandeur de ta majesté. Tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume au souffle des armées. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont endurcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb. Dans la profondeur des eaux, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis, par ta miséricorde tu les as conduits, tu as délivré ce peuple par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit ces guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte
et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviennent muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire. Seigneur, que tes mains ont fondé, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers sont entrés dans la mer et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Et alors que Moïse fait cette déclaration, chante ce chant à la gloire de Dieu, Marie ne peut pas rester silencieuse. Alors Marie, avec les autres femmes, répondent aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ce soir, mesdames et messieurs, chers amis, je vous invite aussi à entrer dans le désert. Je vous invite à sortir d'Égypte. Je vous invite à tourner le dos à votre histoire ancienne et à entrer dans le désert pour finalement rencontrer le Seigneur afin de l'adorer et de le louer. La composition du poème de louange par Moïse après la traversée miraculeuse de la mer Rouge répond cependant, chers amis, à des critères bien précis. Et nous donne, vous et moi, des indications sur notre propre marche, notre propre démarche d'adoration en tant que peuple de Dieu de la fin des temps. Permettez que je partage avec vous juste trois ou quatre éléments avant que nous puissions chanter, prier et rentrer à la maison. Première leçon tirée de cet épisode de l'histoire des enfants d'Israël, chers amis. Il n'est pas nécessaire, écoutez bien ceci. Il n'est pas nécessaire d'atteindre l'entrée de la terre promise pour commencer à faire monter des louanges à Dieu. Oh, beaucoup d'entre nous attendons le retour de Jésus. C'est notre bienheureuse espérance. Et certains, pensent-ils, réservent leur louange pour le jour où ils verront Jésus-Christ. Chers amis, il n'est pas nécessaire d'entrer dans la terre promise pour louer Dieu. Alors que nous sommes sortis d'Égypte, alors que nous avons tourné le dos à notre histoire ancienne, nous pouvons, comme les enfants d'Israël, nous arrêter. Reconnaître ce que Dieu a fait pour nous et puis éclater dans un alléluia joyeux, dans un chant d'adoration et de louange. Nous pouvons, chers amis, ce soir et pendant le mois qui va continuer, prendre le temps pour louer notre Dieu. Parce que la louange est au cœur de l'adoration. Deuxièmement, chers amis, deuxièmement pour ce soir, l'adoration et la louange, bien qu'enracinés dans une expérience personnelle forte, cette démarche n'est pas une démarche anarchique. S'il est vrai que nous avons tous un vécu particulier, personnel, observez bien que les enfants d'Israël vont le faire dans un ordre avec deux leaders, Moïse et sa sœur. Ensemble, ils vont élever leur voix à l'Éternel.